Salut mes amis de Pixel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, nous allons survoler rapidement les réglages de base à faire pour de la photographie de portrait en lumière naturelle, que ce soit avec un Nikon D7000, un Z6, un D850, ou chez Canon avec un 1000D, un 4000D ou un R6, ou même chez Fuji et autres. Allez, go! Je vais vous donner une base en termes de réglage de boîtier photo, mais ensuite, selon le matériel, l'objectif utilisé et vos connaissances du boîtier, il y a aussi l'endroit dans lequel vous allez shooter, ça pourra être très différent. Mais quel que soit votre réflexe, Nikon, Canon, Fuji ou autre, la façon de faire sera la même. Seules les abréviations des fonctions ne sont pas les mêmes. D'abord, il est impératif que vous maîtrisiez ces 5 points sur votre appareil photo. Premièrement, savoir sélectionner le mode de prise de vue. 2. Régler le mode de mise au point et le mode de zone AF. 3. Régler la mesure de lumière, sauf si vous shootez en mode manuel. 4. Maîtriser la correction d'exposition en mode A ou S. Et 5. Maîtriser le réglage des ISO et le passage en mode ISO auto. Voilà, pour moi c'est fini, merci, bonne journée. Non, je rigole, restez un petit peu. Pour moi, si vous maîtrisez ces 5 types de réglages, sur votre boîtier, vous allez gagner en qualité. Vous serez plus sûr de vous, vous ferez les photos que vous voulez et pas celles que votre boîtier va vous imposer parce que vous êtes en mode automatique, par exemple. J'ai remarqué que beaucoup, trop de personnes se formaient en photo, regardaient plein de vidéos sur YouTube, souhaitaient découvrir des techniques pour chaque type de prise de vue, macro, portrait, packshot immobilier, et j'en passe. Mais pour faire une parallèle, pour moi, connaître les bases de la photographie sans savoir régler son boîtier rapidement, c'est un peu comme faire de la guitare sans savoir l'accorder. Vous pouvez avoir une super guitare et connaître toutes les gammes, les modes, etc. Mais si vous ne savez pas accorder votre guitare et que les cordes sonnent faux, vos connaissances ne serviront pas à grand-chose, hormis à faire du brouhaha. J'entends un truc. Vous aurez compris que la maîtrise du boîtier, des réglages, est vraiment impérative. Et là, je parle ni de photographe amateur ou de pro. Je parle de ne pas louper une photo qui se reproduira peut-être jamais. Imaginez-vous en shooting mariage avec votre Z6 II et une fois rentré chez vous, vous vous rendez compte que la carte XQD a eu un souci d'écriture et que vous n'avez plus aucune photo. Ça va être très 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 problématique si vous étiez en tant que professionnel de l'image. Là justement, votre image risque d'en prendre un bon coup. Alors qu'en connaissant votre boîtier et les risques possibles liés aux cartes mémoire, même si ça reste très peu fréquent, vous auriez paramétré la fonction logement secondaire dans laquelle se trouve la carte SD en mode sauvegarde et non en débordement. C'est du vécu, ça m'est arrivé lors d'un shooting grossesse et d'un shooting mariage, et heureusement que tout était paramétré correctement. Même si pour le coup, je me demande s'il n'y a pas eu un problème d'écriture avec les fichiers venant du Nikon Z. Mais ça, on ne saura jamais. Tout ça pour dire qu'il faut que vous vous sentiez à l'aise avec votre boîtier et qu'il soit là pour vous aider à faire les photos que vous souhaitez. Moi, en général, avant chaque shooting, je stresse. Il m'arrive même de presque pas dormir le jour d'avant les gros shootings. C'est comme ça. Mais heureusement, je connais mes boîtiers. Et donc, en cas de problème, je peux m'adapter très rapidement. Car pareil, je n'ai pas envie de dire à une agence de communication qui me fait bosser « Désolé, j'ai un souci avec mon boîtier, je ne sais pas ce qui se passe. » D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps au sujet du stress et du sentiment de l'imposteur. Elle est dans le coin. Maintenant, voyons à titre d'info les différentes abréviations entre Nikon, Canon et Fuji. D'abord, les trois modes de prise de vue les plus utilisés. Chez Nikon, le mode de priorité à l'ouverture est A, comme chez Fuji, et chez Canon, c'est AV. Le mode de priorité à la vitesse, chez Nikon et Fuji, c'est S, et chez Canon, TV. Et dernièrement, le mode manuel, c'est M chez les trois fabricants. Il est important de maîtriser les modes de prise de vue. Voyons ça de plus près. Le mode A, ou AV, que j'appelle le mode passe-partout, permet au photographe d'avoir une entière latitude en termes d'ouverture, afin de produire une photo avec une plus ou moins grande profondeur de champ. Dans ce mode, c'est le boîtier qui sélectionne une vitesse adaptée. Et si elle n'est pas satisfaisante pour vous, vous pourrez néanmoins la régler en utilisant les ISO. C'est là donc que la maîtrise du triangle d'exposition rentre en jeu, afin qu'ils aient une répercussion sur la vitesse d'exposition. Le mode S ou TV, quant à lui, vous permet de régler la vitesse d'exposition pour figer ou non un sujet et laisser le boîtier gérer l'ouverture à sa guise.
Dans ce mode, régler les ISO vous permettra de fermer votre diaphragme ou en soi d'augmenter la profondeur de champ qui correspond à votre zone de netteté sur votre photo. Le mode M est le mode manuel qui vous permet de régler l'ouverture et la vitesse d'exposition vous-même. Les ISO auront eux aussi un mot à dire car si en réglant l'ouverture et la vitesse votre image n'est pas assez lumineuse, c'est eux qui vont apporter la lumière de façon numérique. Pour ma part, lors de mes reportages photos, je place mon réglage ISO en automatique. Ça me permet un grand gain de temps en évitant d'avoir à les régler très souvent et je préfère avoir une photo un peu bruitée mais qui au post-traitement sera parfaite qu'une photo floue qui pour le coup sera totalement perdue. Si vous voulez en savoir plus sur les modes de prise de vue, plusieurs vidéos en parlent sur la chaîne. Je vous laisse donc chercher et naviguer un peu partout. En deux, passons au mode de mise au point qui s'appelle chez Nikon AFS, AFC et manuel. Chez Canon, AF servo, AF continu et manuel et chez Fuji, S correspond à AFS. C correspond à AFC et manuel. Voilà. Le premier, AFS, AF cerveau ou S, est un mode qui fait la mise au point quand vous appuyez une fois de façon brève sur le déclencheur ou sur le bouton AF on, le fameux. Et la mise au point ne changera pas tant que vous n'appuyez pas de nouveau dessus. Le second, AFC, AF continu ou C, est un mode qui permet une mise au point en continu. Tant que vous ne relâchez pas le déclencheur ou le bouton AF on, l'appareil photo fait la mise au point. Très pratique pour les sujets en déplacement. Le troisième est le mode manuel focus, qui lui va vous demander plus de temps car vous devrez tourner la molette sur votre objectif afin de faire la mise au point sur votre sujet. Par contre, il vous permet une grande précision. Par exemple, en macrophotographie, je n'utilise presque que le mode manuel focus. Mais oui, parce que tirer le portrait d'un papillon, c'est de la photo de portrait aussi. Vous trouverez une vidéo dédiée au mode de mise au point ici. Il est impératif également de maîtriser les modes de zone AF. Et là, je vous envoie à cette vidéo. Et vraiment, vraiment, je vous conseille de la regarder en entier, plusieurs fois s'il le faut, le temps que ça devienne une logique pour vous. Et le top, c'est d'avoir votre boîtier avec vous lors du visionnage, pour tester en même temps que moi. Sinon, je vous donne rendez-vous sur WooSkill. Histoire qu'on fasse une séance coaching en live, c'est pas mal non plus. Jetez un coup d'œil dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien. Maîtriser les modes autofocus, enfin les modes de zone plutôt, vous permettra d'adapter les capacités de mise au point de l'autofocus de votre boîtier selon le sujet que vous souhaiterez photographier. C'est donc hyper important. 3. Vos boîtiers sont équipés d'une fonction de correction ou compensation d'exposition. C'est impératif à connaître également. Sans quoi, vous ne pourrez pas fignoler le réglage et vous n'utiliserez pas les capacités de votre appareil photo au maximum. Je vous renvoie donc sur mes vidéos, car j'en parle dans les tutos dédiés au Z6 par là, et également dans les tutos dédiés au D7200. En 4. Il faut penser à régler le mode de mesure de lumière. Encore une fois, ça a été dédié, enfin une vidéo a été dédiée à ça ici. Car entre mesurer la lumière sur une scène de paysage entière et mesurer la lumière sur le visage de votre modèle est très différent. Et tant qu'on y est, réglez la balance des blancs. Si vous shootez en JPEG, ça sera quand même mieux. Si vous shootez en RAW, c'est quand même bien de le faire avant. Mais au pire, ça pourra être modifié en post-production. En 5. Les ISO, un réglage essentiel sur vos boîtiers. Alors, allez voir ces 10 vidéos afin de comprendre un peu mieux à quoi ils servent. Toujours par là. Je suis désolé, je vous donne beaucoup de liens, mais j'ai déjà traité les sujets, donc allez jeter un coup d'œil. Ouais, parce que n'hésitez pas à naviguer un peu sur mon YouTube, tapez les mots-clés et vous trouverez en fait des vidéos sur pas mal de choses. Si je veux rajouter un sixième point, il vous faudra aussi maîtriser et essayer de comprendre le triangle d'exposition. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire que vous devez l'apprendre parce que c'est quand même super important de le maîtriser. Donc, même système, je vous mets une vidéo ici. Donc, ça fait du taf quand même. Mais une fois ces réglages et leurs effets les uns sur les autres digérés, ça sera pour vous quasiment automatique. Et quand vous serez en shooting, vous ne vous poserez plus de questions car vous saurez exactement sur quoi jouer comme réglage pour en arriver à ce que vous souhaitez. Et ça, c'est super cool. Une fois que vous maîtrisez tout, en fait, vous allez devoir faire un choix pour vos photos de portrait, le mode A, S ou manuel. Pour ma part, je n'utilise pratiquement jamais le mode S. Je suis donc entre le mode A et le mode M. Si on part du principe qu'on shoot en lumière naturelle et que ce soit en extérieur ou en intérieur, je serais d'avis à partir sur le mode A, qui va me permettre de gérer la profondeur de champ pour mon sujet et le boîtier va s'occuper d'afficher une vitesse d'expo correcte. Si elle ne me convient pas, je jouerai avec la correction d'exposition et les ISO. Par contre, j'utilise tout le temps le mode manuel en faisant des séances au flash. Pour ce tuto, je vais utiliser Iris.
et vous allez avoir à l'écran les informations en direct de ce qu'on peut voir en fait quand on met l'œil dans le viseur d'un Z6, d'un Z6-2, d'un Z7-2, etc., d'un Z8, blablabla, blablabla, ou autre. Il y a quelque chose près de toutes les séries Z, et même pour les autres modèles d'appareils photo Nikon. Là, je vais faire les réglages comme si j'allais commencer à faire un shooting en portrait lumière naturelle. Je ne vais pas parler de direction de modèle ou autre, mais juste l'accent sur ce qu'il faut faire pour éviter de mauvaises surprises. Premièrement, je règle le mode de prise de vue en A, priorité à l'ouverture. Donc je vais gérer l'ouverture et donc la profondeur de champ, et le boîtier va s'occuper de gérer la vitesse d'exposition. Moi, j'aurai toute latitude à pallier à un manque de vitesse d'exposition en jouant avec les ISO. Prenez en compte que pour une photo de portrait d'un modèle qui ne bouge pas du tout, au 50 mm, vous devriez régler votre vitesse d'expo au à peu près 1/100 de seconde. Avec un 85 mm, je dirais 1/160 de seconde. Et si vous utilisez un appareil photo ayant un capteur bien fourni, comme un Z7, Z7-2, Z8, Z9, optez pour des vitesses plus importantes, soit 1/200 de seconde au minimum à 50 mm et 1/320 de seconde au 85. Ensuite, je règle le mode de zone AF. Sur mes Nikon Z, j'utilise tout le temps pour du portrait AF, zone automatique personne, car la mise au point sur l'œil est assez fiable, et encore plus avec le Z8 et le Z9. Et si je veux reprendre la main sur l'automatisme, il me suffit d'appuyer sur FN1, que j'ai configuré pour activer ou non le suivi du sujet. Ça affiche ce carré, qu'on peut placer où bon nous semble, et dès l'instant que j'appuie sur iPhone pour faire ma mise au point, ou sur le déclencheur en mode AFC, le Z6 va faire la mise au point en continu sur ce qui se trouve derrière le carré. Super pratique. Chez Canon et Fuji, vous pouvez faire la même chose. Ensuite, je vais régler ma balance des blancs en lumière naturelle auto. C'est très souvent parfait comme ça. Prenez soin tout de même de régler votre balance des blancs selon le type de lumière. Soleil, lumière naturelle, flash, tungstène, etc. Je continue en expliquant à mon boîtier que je souhaite qu'il fasse la mesure de lumière à l'endroit même où il fait la mise au point. Pour la photo de portrait, c'est quand même assez important d'avoir une lumière de qualité sur le visage de notre modèle. Sur les Z6-2, Z7-2, j'ai paramétré la touche enregistrement, celle-ci, pour qu'en mode photo, elle me permette de régler la mesure de lumière. Je la règle donc sur spot. Si vous ne maîtrisez pas les réglages de mesure de lumière, je vous encourage à vous pencher très sérieusement dessus. Mon premier questionnement, une fois les réglages faits, va être la profondeur de champ. Est-ce que je veux que mon modèle n'ait que les yeux nets, voire même un seul, si elle a la tête un petit peu tournée, ou il a la tête un petit peu tournée, ou je souhaite une plus grande zone de netteté sur l'entièreté du visage, ou je souhaite l'intégrer dans l'espace dans lequel il se trouve, pour faire une photo en fait en situation. Tout cela dépendra aussi beaucoup de l'objectif utilisé, car si vous shootez au 35 mm, vous intégrerez plus votre modèle à la scène, alors qu'au 200, vous allez complètement le détacher du fond, et vous recentrer sur le modèle. Prenez donc bien en compte qu'il n'y a pas que le réglage de l'ouverture qui va détacher votre modèle du fond, mais aussi la focale utilisée. Chaque focale a ses avantages et inconvénients. Il y a des photographes qui shootent des modèles au grand angle et d'autres qui shootent à 200 mm, voire plus. J'avoue pour ma part que j'aime bien les portraits au 85, mais souvent je kiffe les portraits avec mon 70-200, qui permet une grande versatilité. Un petit exemple à 3 mètres de mon sujet, Iris. Je me mets à f2.8 à 70 mm. On se rend compte que mon sujet et l'arrière-plan sont visibles. On voit quel est l'environnement en fait autour. Par contre, si je garde les mêmes réglages mais que je shoote à 200 mm, je me rapproche énormément de mon sujet et je le détache totalement du fond. Ça va donc être à vous de savoir ce que vous souhaitez comme type de photo. Voilà, en gros mes allumés de pixels, mes quelques conseils pour faire de la photo de portrait. Il y a du boulot, mais franchement, une fois ces connaissances acquises, vous allez être tranquille pour très longtemps. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des questionnements, des réflexions par rapport à ce tuto, et puis rejoignez-moi sur Bouskill. Allez mes allumés de pixels, ça fait bien trop longtemps que vous êtes devant votre écran, alors maintenant sortez et shootez, bye! D'ailleurs, je serais d'avis à partager. On recommence. Putain, je vais pas y arriver. Hein. Je vais y arriver.